cordon autour du cou, ça ne l'empêche pas forcément de descendre dans le bassin et de naître. Il y a beaucoup de bébés qui ont le cordon autour du cou ou qui peuvent l'avoir en écharpe, en ceinture. À partir du moment où ça ne les empêche pas de descendre dans le bassin, il n'y a aucun souci. On surveillera de toute façon le rythme cardiaque du bébé durant tout le travail avec le monitoring. Donc, si on constate qu'il y a des anomalies au niveau du rythme cardiaque, on peut à tout moment faire une césarienne ou accélérer la naissance par un forceps si le bébé est engagé dans le bassin.